Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Arxo, de retour sur Arxo. Ouais! Alors, c'est parti, mon kiki, le serveur, il fonctionne bien, tout a l'air de bien aller maintenant. Même si pour moi, j'enregistre quelques jours après, j'ai vraiment pas pu revenir sur le serveur. Dans les petites nouveautés que j'en ai profité pour mettre, hein, quitte à refaire absolument tous les réglages, il y a le mode créatif maintenant. On a le mode créatif pour nos constructions, en tout cas. Ouais, je pense que tout le monde l'a. Enfin, j'ai pas eu de commentaires là-dessus par les sponsors, mais je pense que tout le monde l'a. Et je viens de voir en arrivant sur mon île que j'avais un cadeau. J'avais vraiment adoré le petit kiosque qu'avait fait Dini. Bonjour. Madame? Vous êtes coincée peut-être. À niveau 15. Bah mangez-la, elle est trop donc, non? Oh là là, qui sont moches. J'ai vraiment adoré le petit kiosque qu'avait fait Dini au niveau de sa ferme. Et regardez, on a fait un! C'est trop beau! Oui, bon, j'ai chaud parce que je suis en fourrure, mais attends, on va enlever la fourrure. Voilà. Vas-y, enlève ça, enlève les gants, t'as qu'à garder que le pantalon. Voilà, on y va. Regardez, c'est trop beau! Merci Dini! Tantana! Bon, là, du coup, je suis en soutif. En soutif! Alors, bas d'armure, soutif, piaf sur l'épaule. C'est impeccable. Je suis musclée comme un bonhomme. C'est impeccable, Arc. Merci beaucoup! Merci, merci! Et donc il m'a dit de le peindre aux couleurs que je veux. Donc je vais voir ça. Je vais peut-être le blanchir, ouais, à la rigueur. Ah, c'est trop joli, trop bien. Alors qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Bah, de toute façon, hein, vous avez le titre et la vignette. Donc on va faire éclore des œufs de wyvernes de poison, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe sur mon île? C'est l'insolation là. Il est quelle heure? Il fait combien? 34 degrés, 13 heures. Ok. Alors, on va faire éclore des œufs de wyvernes de glace. Tout simplement parce qu'il m'en faut une. Donc encore 9 minutes. Il m'en faut une pour l'enclos des wyvernes. Que j'ai terminé avec un peu d'aide pour terminer d'enlever les vitres, hein, le visuel des vitres. Je vous le montre pas tout de suite. Je vous montre moi mon perso pendant que je parle. Je vous le montre pas tout de suite parce que j'ai encore toute la déco à faire. J'ai plus que la déco à faire. Et il va falloir tailler ses sourcils, madame. Et je pourrais vous montrer donc l'enclos des wyvernes. Donc au zoo, il nous restait une wyverne de poison, une wyverne de feu. Ouais. On m'a récupéré une wyverne électrique. Et de mon côté, j'ai dit que j'allais faire une wyverne de glace. Alors pourquoi? Et pourquoi les œufs sont niveau 1? On voit pas, mais c'est des œufs niveau 1. Tout simplement parce que à cause des mods qu'on a mis sur ArcZoo, on ne peut pas, il n'y a pas de nid de wyvern de glace sur la map. On est pourtant sur Ragnarok et normalement il y a des nids de wyvern de glace dans la neige. Mais là on les a pas. Ils n'y sont pas, ils ne spawnent pas à cause d'un mod, certainement Classic Flyer. Du coup c'est moi qui fais spawn les œufs de wyvern de glace. Et oh, il est beaucoup plus costaud ce plumier de là. Pardon, excusez-moi, merci. La vie. Donc c'est moi qui fais spawn les œufs wyvernes de glace. Donc il y a pas mal dans les anciens qui en ont. Donc là il m'en faut une pour l'enclos. Et je me suis dit, bon allez, tant que j'y suis, on va en faire éclore 3. On a eu pas mal de nouveaux sponsors ces derniers temps. Peut-être qu'il y en a deux qui veulent une wyverne de glace. Voilà, c'est pas perdu, des petites wyvernes. Et bah on va faire éclore d'autres œufs hein, pendant qu'on est là. Ouais, il reste des rexounets là. Des raptors, des piaf, plein de petits piafs. Je dois avoir d'autres trucs encore dans mes nids plus à l'intérieur. J'ai entendu marcher dans l'eau, mais ça doit être moi. Parce qu'ici, il n'y a pas d'eau, mais il dit qu'il y a de l'eau. C'est pas grave. Hop. Pourquoi il me marque qu'il y en a trois? Qu'il n'y en avait qu'un. Est-ce que ça n'en est pas un fécondé, ça? D'accord, bon, on s'en fiche de ça, on va le manger. Je m'enquiquine pas à faire des kibbles, donc... Ah, c'est pas des fécondés, ça. Ah bah attends! On va les manger, c'est pas grave. Hop, j'ai un petit creux. Petit taf de Rex. Ah, attendez, on va les voir là-dedans, par exemple. Qu'est-ce que j'ai de beau dans mes œufs? Je regardais juste parce qu'ils avaient bougé. Comme lui, je l'avais retrouvé encore là. Je sais pas pourquoi il se passe des trucs bizarres. Ici. Bonjour, qu'est-ce que vous avez de beau à nous faire éclore? Capro. Megalania. Terror Bird. On va faire ça. Calania. Ah oui, ça je le fais parce que normalement c'est des couleurs que je voulais essayer de faire. On peut prendre quelques capros aussi. Allez. On va se faire ça pendant que les autres petits arrivent. Il faut que je reprenne de la viande sur moi, par contre. Merci.
Petite mûre cerise, ça faisait longtemps. On se remet doucement dans le rythme avec une petite mûre cerise. Je verrai l'épisode d'après ce que je fais. Alors le timing vous manque, vous me réclamez souvent du timing. Mais je ne sais pas quoi aller vous tamer en fait. Dans le sens où on a déjà beaucoup d'animaux partout. Même pour les enclos, je crois pas qu'il manque grand chose. Peut-être quelques kangourous, je crois, on m'avait dit. Mais bon, vous pouvez toujours faire des propositions de tamming. Ça fait longtemps que je suis pas allée tamer. Même s'il y a un petit peu l'autre série pour ça. Je vais mettre là. La série Wyvern, la série What the Fuck. Qui est plus simple pour aller tamer. Parce que c'est vraiment la série où je tame. Mais bon, proposez toujours. Et... Ouah, des jumeaux roses. Ah, c'est bien rose, tout ça. Oula, c'est qui veut du Mégalania rose? Ah, puis celui-là, il est rose. Ario rose. Je crois que celui-là, je l'ai gardé pour Castor. Oh, le bébé rose à rayures rose. Bon, il est tout petit level. Hein. Mais... Par contre, il veut pas manger. Pourquoi tu veux pas manger? Il y a un rollback? What the fuck? Voilà, c'est parce qu'il y a ça? Ah! D'accord. Voilà. Hop. Oh là, mais alors vous êtes d'un rose les enfants. Désactiver la promenade et tu vas me suivre proche. Autre option. Faible. Autre option. Désactiver la promenade. Autre option. Faible. Et ton frère. Autre option. Et faible. Et désactiver la promenade. Voilà, vous me suivez les petits? Allez, venez. Les petits mégalania roses. Oh, ils sont choux. Ils sont choux. Allez, venez. Allez les cocos. Ouais. Non, viens par la tour. Ah, ils ont le ventre orange, les saucisses. C'est des saucisses. Oh la vache. Mais pourquoi vous volez? Mais... Bon, ils ont... ceux qui sont bicolores, en fait, ils sont tricolores. Ils ont le ventre... ils sont fous. Ils ont le ventre orange et l'autre, il est rose. Je pense que je vais le proposer à Castor, le tout rose. Notre supra fan de rose. Je pense que ça va le faire triper. Allez les cocos. Allez les potes pépés. Hop, je leur remets à manger. Alors j'espère que vous l'entendez pas. Il y a Sansa qui est en train de ronfler, mais un truc. Ce chihuahua est pas raisonnable. Je pense pas que le micro capte jusque là. Hop là. Allez les petits. Je fais éclore et un chat dans la litière. Non mais c'est toujours comme ça. Oh, déjà? Bonjour. Ah mince, on a loupé... on a loupé l'éclosion. Attendez, mais... Ah, je crois qu'il y avait des jumeaux. Bah, comment ça se fait? Ah bah oui, il reste 1:20. Ah bah non, c'est pas un chat dans la litière, c'est Ghost. C'est Ghost qui fait plein de bruit. Viens ma petite pitchounette. Alors, autre option, désactiver la promenade. Dépêche-toi parce qu'on va louper la naissance de... De ton frère ou de ta sœur, là. Il reste toujours 1 minute. Hop, désactiver la promenade. Faible, ok. Pourquoi tu... Oh, descends. Non, m'obligez pas à démonter la nurserie. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Bon, bon, on va détendre la naissance de celle-là. Je pense qu'on peut avoir des jumeaux ou des triplés en wyvern. Je suppose, jamais eu. On a eu Andrake, j'ai vu Andrake avec Akko au tout début du serveur, donc je suppose qu'en Wyvern ça doit arriver aussi, ça m'est jamais arrivé je pense. Donc vous voyez, bon ils sont niveau 1, donc c'est pas à sortir dans la nature, à prendre le risque de se les faire bouffer, c'est vraiment en pure déco pour dire qu'on a de la Wyvern de glace. Allez hop, petit, donc là c'est un garçon, là-bas c'était une fifi, est-ce que j'ai eu? Par contre ils vont me casser les pieds visiblement pour sortir. Mais bon, fallait bien les faire incuber à l'intérieur. Autant certains, j'arrive à les faire incuber dehors. Autant là, je suis pas bien sûre que ça aurait fonctionné. Ah, pardon. Petit caca. Allez, pitchou. Tadam. Alors, je vous mets quand même de la viande. Mais de toute façon, à un moment donné, vous allez nous réclamer du lait. Hein, on n'est pas dupes. Hop. J'irai voir au village s'il en reste.
De toute façon, le lait, c'est juste pour booster les stats. On s'en fiche, elles n'ont pas les stats boostées. Elles vont aller dans un enclos plein de tourelles. Ou alors, elles vont aller chez quelqu'un qui, je suis sûre, les protégera très bien. Hop. Elles sont quand même super mignonnes. C'est quand même super kiki, hein. Oui, hein. Mais elles ont une tête un petit peu trop adulte, je trouve. Je trouve que la tête, elle fait pas assez bébé. Mais non, la Wyvern de glace, c'est ma deuxième préférée. Il y a Koss qui boit derrière, décidément. Ma préférée, bon, vous le savez, la plupart, c'est la poison. Très clairement, hein, je ne reviendrai pas sur ma poison. Mais, alors, est-ce que ça va les faire bouger? Mais ensuite, c'est la glace. Ensuite, c'est la glace. Après, c'est la feu. Et en dernier, c'est l'électrique. Ça a l'air de les faire un peu bouger. Allez! Avec ce bruit, quoi. Ce bruit de wyvern d'adultes qui leur ont collé. Oh, il y en a une. Et je vous ai mis en faible, je suis pas dingue. Bah non, bah si. Bah. Autre option. Bah oui, faible. Très proche. Ou alors ils partent du principe qu'ils respectent la taille adulte. Donc là, en fait, elle est très proche parce qu'ils considèrent pas que c'est un bébé mais un adulte. C'est étrange. Reste là, je vais essayer de sortir les autres. Oh, non, m'obligez pas à enlever. Ah, peut-être juste ce mur-là. À la rigueur. Attendez. Ramasser. Et ramasser. Ah, oh, j'espère que ça va pas. Non, ça devrait. Ouais, c'est bon, ça enlève pas le. Bon, on peut même enlever la clim, en fait. Ramasser. Avec le nez. Allez, bonne nuit. Allez! Ça va, ils considèrent quand même au niveau de la taille qu'elles sont pas si grosses que ça. C'est rigolo parce qu'elles font un peu vénère avec... Enfin la tête, je trouve... Faut qu'elles nous regardent pour ça. Regarde-moi. Regarde-moi. Ah non, pardon, c'est pas que je suis trop grande. Regarde. Regarde-moi. Cocotte, regarde-moi. Ah mais... Voilà, ça fait vénère, je trouve. Ça fait un peu casque vénère. Elles sont choues. Elles sont super choues. Allez, vas-y, viens. Venez dans la bubule de protection. Allez. Doudou. Doudou. Et je vais faire éclore les deux œufs de... Bon, je peux faire éclore les capros aussi. Mais surtout ces œufs-là que je veux faire éclore. Et ça, c'est Terror Bird, ouais. Parce que c'est une couleur que j'essayais de faire avec mon argentavis noir. Venez les cocottes. Par contre, elles sont toutes de la même couleur. Et ça, c'est assez frustrant. Parce que déjà qu'on doit faire spawn nous-mêmes les œufs. Mais en plus, elles sont toujours de la même couleur quand elles sortent. Alors qu'il y a quand même des nuances. Elles sont plus ou moins noires, ou plus ou moins blanches, ou plus ou moins bleues. Pour la wyvern de glace, c'est vraiment cet éclat, forcément. Mais il y a des différences. Et là, elles sont toujours toutes pareilles. Mais bon, pardon, excusez-moi, je suis tapée dans le micro. Mais bon, c'est histoire d'avoir notre petite wyvern de glace dans l'enclos. Je vais installer tous les bébés et je vais quand même vite fait vous montrer l'enclos. Allez, fin d'épisode, je vous montre quand même vite fait l'enclos des wyverns. Allez les pitchounettes. Venez voir la madame. Il faut que je range. Oui, je sais, il faut que je range. Mais à chaque fois que je me connecte sur ma partie, en fait, je range. Enfin, sur ma partie. Sur Arxo, sur mon île, je range. Alors que ça devient lassant. À force, il y a un petit côté lassant. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Donc j'essaie de faire d'autres choses, quoi. J'en ai marre de ranger. Et là, vous vous dites, arrête de faire des bébés. C'est vrai. Elle est la dernière, là. Il y en a une qui est toujours en suivi. Je les décolle parce que j'aime pas qu'ils grossissent les uns dans les autres. Ça leur fait des dégâts, parfois. C'est vrai, j'ai qu'à arrêter de faire des bébés. Mais en même temps, il faut bien que je fasse éclore mes œufs à un moment donné. Voilà, bon, je vous remets un peu de viande, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin. Et de toute façon, il y a la nanny qui va s'occuper de vous très vite. Voilà. Hop. Et je vais vite faire éclore mes petits poussins. Du coup, il n'y a plus de... Du coup, il y a comme un trou. Il y a comme une aération. Au moins, ça va permettre de les faire sortir plus facilement. Hop, hop, ne pas les manger. Ce sont des choses qui arriveraient, mais bon. On va éviter. Alors. Tatin, le tatin. Oh.
Non, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai peut-être pas pris dans le bon nid. Ouais, c'est spécial ça. C'est spécial là, les petits pitchounets. C'est pas ce que je cherchais du tout. C'est pas ça. C'est pas grave. Autre option, s'activer la promenade. Autre option, désactiver la promenade. Bougez pas. Je pense qu'il y a d'autres œufs qui vont mieux. Comme j'ai deux nids et deux zones de reproduction, je pense que ça s'est un peu mélangé. Je viens voir ça. Voilà, c'est le merdier encore ici. Tout est mélangé. C'est. Il y a un plumineux qui vole. C'est normal. Ah voilà, c'est ça. C'est ça que je veux. Peut-être pas tous les prendre, allez. Oh, il y a encore des petits rex. Vous adorez les petits rex. Allez, on va faire des petits rex. Pas beaucoup pour dire. Hop. Allons voir ça. Et ça sera pas mal. Ensuite, on ira. On vérifierait que tous les bébés ont bien assez à manger. Et j'irai vous montrer quand même l'enclos. Hop. Ah non, pas mon climatiseur. Il n'a pas besoin d'éclore, le climatiseur. Il a besoin de se remettre, de se reposer à sa place. Oh, ils sont rigolos, les oranges. Oh, les jumeaux, là. Attatez! Attatez! Ah, ils sont rigolos, là, les jumeaux. Et le noir, vert et rouge, il est pas mal. Ouais, ça va, ça va. Alors. Hop. C'est bien, on peut déjà les faire crier à cet âge-là. C'est un mimi. Alors moi, j'ai rien entendu, hein, je sais pas vous. Alors moi, il a braillé dans le silence. Braillé dans le silence. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible, mais soit. Hop, les viandes. Je vous amène direct à votre place. Vous me suivez tous. Hein. Venez directement dans la bulle. Oh, il y en a des sympas là. Alors, je vais pas tous les garder, hein, comme d'hab. Mais je pense que je vais garder un des jumeaux là. Les marrons, turquoise, noir. Et peut-être lui. Je vais voir. Allez. Bon, madame, arrête de dire que t'as chaud, là. 32, 32, ça va, c'est pas si pire. Ah! Bacastor! Bacastor! Il s'est fait manger? C'est bizarre. Ou il... Non, il s'est pas fait manger, ça aurait marqué par quoi? Il est mort de faim, plutôt. Il a pas mangé. Soit. Soit, soit, soit. Ou il s'est suicidé. Ça arrive aussi de tomber d'une falaise. Oh là là, le bruit qu'ils font, les bébés rex, quoi. Poum, 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 poum. Et c'est là qu'on se dit que les bébés rex, bah, ils sont plus grands que les wyverns. Quand même. Alors. Toi. Non, pardon. Toi. Et. Toi, c'est bon. Les autres, bougez encore un peu. On va en mettre un par là. Toi, on va dire que c'est bon. Sors pas de la bulle. Toi, avance par là. Faut que je fasse un terrarium pour mes serpents aussi. Ça, je pense que ça peut vous plaire. Un joli terrarium pour les serpents. Voilà. Ouais, c'est ça. Les petits rex, ils sont limite plus grands que les petites wyvernes. Je vous remets à manger. Et je vais faire éclore au moins mes argentes. Bon, ça va au niveau du temps. Parce que je ne veux pas faire un épisode trop long. Mais j'ai encore le temps de vous faire éclore d'autres trucs. Parce que les épisodes d'éclosion, je pense pas que vous aimiez que ça dure hyper longtemps. Le timing, ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai que les éclosions, bon voilà, ce qui est rigolo, c'est quand ça sort de l'œuf. Après, les voir grandir millimètre par millimètre, je pense pas que ce soit ultra intéressant. Voilà. Bah attendez, puisqu'on en est au poussin. Hop, refaisons du poussin. Des petits poupous, des petits poussins. Oui, par contre, il a la huppe verte. Non, mais... Ah, bon, on a un nouveau noir.
Ah là là, noir et rose, c'est ce que je voulais. Par contre, ah, le rollback de l'enfer. Oh, le celui, ah, celui-là, il est tout en concept. Il est noir, rouge, vert. Non, il est pas moche. En fait, je voulais ça, mais pourquoi t'as une huppe verte? D'où te sort ta huppe verte? Donc, il va falloir recroiser avec un qui a une huppe noire. Pour l'avoir bien en noir, c'est un garçon. Ok. Parce que là, il nous le faut. Je voulais un noir et rose. Donc, je suis pas mal. Je suis pas loin. Je suis pas loin du tout. En noir et vert, on a Shrek. Moi, là, c'est du vert pâle. Je pense que c'est du vert plus pâle que Shrek. Plus, je pense. Mais je suis cool. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Attendez, parce qu'on a encore des œufs. Peut-être qu'on va en avoir un somme verte. Hop. Mais ouais, noir et rose. Je voulais du noir et rose. J'y suis presque. Pas du tout. Pas du tout. Bon, le doré, il me semble tout rigolo. Et le rouge et les noirs sont... Non, ils sont pas vilains. Oh, 306 le rouge. Oh. Ou toi, t'es un bon petit pigeon. 306. Ah, toi, tu peux être sympa pour un nouveau en première monture, le temps qu'il se tème lui-même quelque chose. Tu peux être plus que sympa même. Oh, joli level. Avec ses pattes jaunes là. Parce que du coup, c'est du pack, hein, ça, normalement. Ah, non, c'est du pack avec une mutation. Oh, pas mal. Et toi, t'es du pack tout court, avec une mutation. D'accord. Pas ma foi. Mais ouais. Ah, c'est pas mal. Oh, le rouge, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal du tout, ce petit. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le doré, ma foi, pourquoi pas. Ah non, ils sont pas mal. On va faire éclore les petits caprots dehors, mais j'ai peur que... Non, on va peut-être... Attendez, on va remettre les vitres. Je pense que les petits caprots, ils vont courir partout. Je ne sais plus si les caprots, ça court partout, mais je crois. Non. Voilà. Je crois que c'est tout petit. Excusez-moi, je vous mets des caprots avec. Je ne sais plus comment ils réagissent, les bébés caprots. Ouais, c'est ça, c'est pas bien grand. Ouais, bah... Alors là, par contre, les parents sont pas de pack. Donc, le but du jeu, c'était d'avoir du mutant, là. Hein. Très clairement. Et c'est pas le cas. Que des mâles. Ouais. Je peux... Ah, Castor fait de la repro. Je peux toujours... Lui aussi. Ouais, je vais peut-être garder... Je vais garder un 210... Je vais garder le 219. Pour... Ouais, je vais garder le 219 pour reproduire avec sa mère. Bonjour, rollback. Rollback. S'il vous plaît. Puis-je changer mes touches? Bonjour. Ah ouais. D'accord. Carrément. Ah d'accord. D'accord. Hop, désolé pour cette coupure. Souci internet. Et je vois par ma fenêtre qu'il y a une énorme pelleteuse. J'espère qu'elle s'en va. Que c'est pas pour des travaux. Elle n'a pas l'air de s'en aller. On va vite terminer cet épisode. Donc on a dit qu'on gardait le plus gros level. Hop là, rollback, super. Décidément. Là je suis déception, tristesse et tout le tralala. Si, il y a des travaux dans ma rue. Parce que de temps en temps, ils viennent, ils font un truc ou deux, puis ils repartent. Ça fait d'un moment que ça dure. Et là, je crois qu'ils sont décidés à terminer. Ferme les yeux, attention, personne ne regarde. Hop, hop. Voilà, on a gardé le plus haut level, on le fera reproduire avec sa mère. On pourrait essayer de tenter du mutant. Et bah, tout le monde me suit. J'allais faire me suivre tous, mais s'il y a des animaux autour un peu trop proches, je ne voudrais pas que tout le monde vraiment me suive. Les poussins, on va peut-être leur remettre à manger. La fille qui se dépêche de terminer son épisode avant. J'avais l'explosion de la bombe nucléaire. Oui, non, mais attends, tu vas pas bouffer tout ça, laissant aux autres. Hop. À en voir le massacre qui enregistre pas. Ouais, parce que en général, je vous montre pas quand je tue, parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas. Et mais bon, voilà. Hein, bon, on sait qu'on garde pas tout.
Mais, oh bah toi t'avais encore plein. Vous savez qu'on garde pas tout quand on essaie de faire des mutants, etc. Des couleurs, on peut pas garder tous les bébés. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, donc voilà. Il y en a qui quand même râlent quand j'en tue. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. On ne peut pas garder tout le monde. Je me dépêche de finir mon épisode. Je voudrais vraiment aller vous montrer vite fait où j'en suis au niveau de l'enclos des wyvernes. Hop, venez tout le monde. Tout le monde sort. En fait, je vais renlever les vitres. En fait. Hop, rabasser. Full. Hop, rabasser. La porte est ouverte, la porte est fermée. Voilà, vous allez bien sortir par un endroit comme ça. Allez tout le monde, on se dépêche. Ah non, la pelleteuse a l'air d'être partie. Peut-être. Oula, attention. Espérons. En tout cas, il y a tous les autres bébés qui sont là. Je vais ramener tout le monde dans la bulle près de la nanny. La nanny, c'est la dame. Petit capro, je sais bien comment elle est descendue. La nanny, c'est la dame qui est dans ma bulle, qui bouge pas, c'est du mode S+. Elle s'occupe des bébés à ma place. Les petits poussins, ils seront assez longs à avancer en général. Du coup, je crois qu'il va falloir faire une ellipse. Hein, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau pendant que tout le monde court? Le capro, il court vite. Hein. Mon turbo capro. Par contre, les poussins de l'angoisse. Peu, jeter un oeil aux autres pépés. Ah bah voilà, ils sont devenus juvéniles, les mégalanias. Ça, c'est pas mal. Vas-y, petit capro, cours, cours. Cours, capro, cours. Il faut vraiment que je range mes grenouilles. Aussi. Les poussins, ils sont à des kilomètres. Oh non, mais s'ils passent par l'eau, ils arriveront jamais, quoi. On va se mettre plutôt comme ça, qu'ils rentrent pas dans l'eau. Le petit capro, il est pas mal. On va le lâcher par là. Là, 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 là. Arrête, arrête. Mais tu te fous. Mais je te visais pourtant. Flûte de tute. Et voici donc la nanny. Et donc la nanny, je vérifie qu'elle est bien. Ah, elle n'a plus rien. Elle va pas bosser, nanny, elle n'a plus rien. La nanny, il faut. Elle n'a pas spécialement besoin de fruits. Il faut lui mettre à manger. Ah, il faudra aussi que j'aille voir pour du lait. Hop. La nanny, on lui donne. C'est elle qui donne au bébé quand il réclame tout ça, qui veulent des câlins, tout ça. C'est elle qui s'en occupe, la petite madame. Voilà. Alors, on peut la nommer. Parce que ça s'appelle la nanny, parce que c'est le nom quand on la craft. Ah, on peut renommer la nanny. Mais je vais laisser nanny, mais comme ça. Voilà, parce que je connais le nanny qui est nounou, mais son surnom c'est nanny. Et voilà, comme ça c'est pas mal. Les poussins, vous en êtes tout? Bah ça avance, ça avance. On avance, on avance. Ah d'accord. Mais non, le bébé capro. Je lui ai pas enlevé sa promenade. Tu te fous pas un peu de ma tronche. Allez, viens dès. Les petits Rex, ils sont toujours au stade bébé. Petites wyvernes vont bien. Ça va bien. Hop. Allez les poussins. Allez le capro. Oh non! Ah, j'aime pas quand ils font ça. J'aime pas quand ils font ça. Parce que je peux pas remettre à manger. En plus, celui-là, je l'aimais bien. C'est le super haut level. Bah, tant pis, hein. Il se reposera un jour. Alors, effectivement, là, vous allez me dire, utilise le fouet. On a testé, ça marche pas sur les bébés. D'accord. Bah t'es vachement mignon là. T'as l'air bien con parce que tu te rends compte de la taille de tes ailes. Comment tu fais pour porter ton gros cul? Voilà. Mais je pense qu'il avait suffisamment à manger. Ouais, ça ira. Il a suffisamment à manger, le temps d'atteindre le stade juvénile. Ça va le faire. Bah je le récupérerai après, hein. Quand il sera grand, je le poserai. Il est où? Il est là-bas, il est là-bas. Pourquoi il s'est envolé? Bon, il y a un bug comme ça de temps en temps. Bon, vous êtes dans la bulle, donc c'est bon. Je vous laisse un petit peu en tas. Tant pis, ça ira. Ok, et on va vite fait. Bon, on n'a plus le bébé. Donc là, on est bon. Je vais vite fait aller vous montrer un peu où en est l'enclos des wyverns. Hop, on y va. Je commence à me faire doucement à l'utilisation du Drake. Ce qui est quand même assez sympa. Parce que j'aime pas l'utilisation des wyverns. J'aime pas utiliser les wyverns.
Mais j'aime de plus en plus le Drake. Alors, j'étais en train de regarder, il y a une tonne de mouettes. Et j'ai demandé au serveur qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup moins de mouettes. Mais visiblement, c'est pas tellement son problème. Ah, je voyais plus le téléporteur tout à l'heure. Comment ça se fait? Il est caché dans l'herbe? Il est où? Ah, il est carrément road track maintenant. D'accord. Donc l'enclos des road track, il a l'air d'être fini. Par contre, ils sont en balade dedans. J'espère qu'ils vont pas se barrer. Ouais, il a l'air d'être fini, non? On m'a pas dit qu'il était terminé, donc je vais peut-être pas trop... trop... Oh, Nessayou, c'est gentil. Nessayou, les road track qui sont dedans. Ok, bon, on le regardera plus en détail. Mais il m'a l'air d'être terminé. Hein. Moi, j'attendais mon petit feu vert pour vous le montrer. Et donc, pardon. Ah, il y a deux parties. Il y a plusieurs parties, d'accord. Ah, mais aussi, c'est les NASA, Castor. Ah, c'est comme les moutons. On a tous notre Drake. Ok, alors je vais attendre. Je vais pas fouiller. Parce que visiblement, c'est peut-être pas terminé. Et donc... Ah oui, forcément. Alors là comme ça, on va attendre que ça se charge. Là comme ça, on a l'impression que bah, c'est pas très haut, elles vont se barrer les wyvernes. Eh, vous avez vu la hauteur du mur en verre? Attendez, je la refais, ce qui va trop vite. Eh, tout ça, c'est du mur. Ici, là, c'est de la vitre. Tout ça, c'est de la vitre. Donc en fait, c'est haut. Elles vont pas se barrer. Moi, je les ai pas mis en balade encore. J'ai pas fini la déco. Pour le moment, j'ai mis deux arbres qui se battent en duel. Il faut que je finisse la déco, mais voilà. Et donc, techniquement, on va passer par l'entrée, hein, ça va être un petit peu plus simple. Hop là. Donc, alors ça, c'est toutes nos bêtes de construction, de je sais pas quoi. Lui, c'est Olivier qui l'a tamé, puisqu'il était venu nous enquiquiner, apparemment. Ah non, il était près de l'enclos des loutres. L'enclos des loutres est fini, enfin, je vous le montre aussi. Il était près de l'enclos des loutres, donc il l'a tué. Bienvenue, je sais pas à qui elle est, qui c'est, pourquoi, comment. Je sais pas. Volcano, il est à moi. Et donc, ta-da-da, l'accueil que j'ai commencé à décorer, j'ai pas fini. Ici, c'est la sortie, vous n'avez pas à passer par là. C'est par là qu'on passe, vous voyez. Regardez, on va se mettre comme ça. Sens de la visite. Et là, c'est pareil, vous dites, mais on peut passer, on va se faire manger. Et non, j'ai que de la vitre. Que de la vitre tout du long. Que de la vitre cachée tout du long pour revoir les wyverns. On va faire tout le tour. Pour bien voir les cocottes. Tout du long, il y a de la balade. Or, faut que je mette des lumières, parce que bon, si on arrive et qu'il fait nuit, la balade va être un peu compliquée. Il faut que j'ajoute des lumières. Mais voilà. Là, les visiteurs, ils vont se faire leur petit marathon. Ils vont être un peu fatigués. Hein? Mais ils vont pouvoir faire tout le tour. Tout le tour. Absolument tout le tour. C'est là que je me rends compte que l'enclos est grand quand même. Et je vais me servir du même enclos, du... Enfin, je vais refaire la même chose pour les dragons. Voilà, donc à côté. Donc ils ont une mangeoire tech. Et on a juste une petite porte de service ici pour nous. Pour quand il faut y aller, quoi. Pour aller voir les cocos, les cocottes. Hop. Et il y a un bronto qui va se faire décimer. Il y a des tourelles, bronto. Tu devrais pas venir. Tant pis pour toi. Voilà. Donc la bulle disparaîtra au final. On rangera toutes les bêtes qui traînent, hein, bien évidemment. Voilà. En gros, j'ai encore toute la déco à finir. Et on est pas mal. Et tout le monde l'a rangé. Mais ça, on n'a pas fini. Donc, vu qu'il faut faire encore l'enclos des Drakes. Donc, des dragons, pardon. Donc du coup, voilà. Je rangerai que tu aurais tout fini. Et ben voilà, on va arrêter là pour cet épisode. Je vais retourner à mes petits bébés et à d'autres enregistrements. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas les liens qui sont sous la vidéo. Tous les liens là, les liens. N'oubliez pas. Bye bye. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream, what a comfort is.